Amboumboué! Sélection du jour. Oh, vraiment, Dieu, bon, Dieu m'a béni. Dieu m'a béni. Oui, qu'est-ce qui se passe? Échappe de l'État. Bon, je suis pas dedans. 400 nouveaux médecins recrutés. Voilà, on a besoin dans ce pays. Allô? Allô? Oui, monsieur, pardon? Non, 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 non. Vous voulez parler à monsieur qui? Monsieur Camdem. Non, ce n'est pas monsieur Camdem, hein. Vous vous êtes trompé d'erreur, monsieur. Je dis que vous vous êtes trompé d'erreur. Moi, c'est monsieur Tabafo. Wow, je vous dis que moi, c'est monsieur Tabafo. Oui. Vous vous êtes trompé. Bon, essayez de tenter, hein. Tentez d'essayer un autre numéro. Ok, bon, ouais. Alors, les gens, ils sont là, ils trouvent la tranquillité de. Allô? Allô? Oui? C'est qui ça? C'est qui parle dans mon téléphone là? Monsieur Pascal, Pascal le philosophe, mon fils. Oh, que je suis content, que je suis content, mon fils. Dieu est bon, ton père a changé. Oh, fiston, si tu vois les bénédictions que Dieu est en train de faire dans ma vie, il faut donner ta vie au Seigneur aussi comme ton père. Vous t'allez bien? Ok. Mais quand vous me parlez là, c'est comme si vous êtes en train de vous manger. Hein? Vous mangez? J'ai dit, parce que vous parlez comme si vous avez la nourriture dans la bouche. Ok, mangez-vous bien, fiston. Bon appétit. Vous mangez quoi? Vous mangez quoi? Ah, les cornichons. Quelle nourriture développer, mon fils? Oui, non, non, ça va. Il y a ta soeur là qui a aussi qui était un peu malade là. Je l'ai amenée à l'hôpital. Mais tu te rends compte, Michel? Mon petit Pascal, j'ai amené ta soeur à l'hôpital. Un simple examen d'urine. Un simple examen d'urine, je te dis, ta sœur a échoué. Elle a échoué, on n'a rien vu sur ça. Mais grâce soit rendue à Dieu, que les serviteurs de Dieu sont venus, on a prié, et puis bon, c'est passé. Oui. Sinon, non, non, non. Oui, mon fils. Voilà, mon fils, il y a quelque chose que je voulais vous parler là. Parce que votre maman m'a dit que. Vous voulez vous faire les études informatiques? S'il te plaît, je veux que vous changez. Il faut changer les études que vous faites. Je veux que vous fassiez les études de doctorat. Oui, Michel, Pascal, je veux que tu sois docteur. Hein? Pascal, je veux que tu sois docteur. Oui, comme ça, quand tu fais les études de doctorat, tu reviens ici. J'ai construit un immeuble. Wow, un immeuble, je t'assure. Je te donne l'en haut, moi-même je reste en bas. Hein? Bon, essaie de voir, écoute. Tu sais, j'ai fait une usine de pompes funestes qui marche terriblement. Comme ça, en haut là, quand je te donne l'en haut, tu fais consultation. Moi en bas, je fais expédition. C'est-à-dire que quoi? C'est-à-dire que si ça te dépasse en haut, tu m'envoies en bas, ça ne peut pas me dépasser. Et ça fait que le commerce, ça marche dans la famille. Oui, mais oui, c'est ça, Pascal, c'est ça, tu comprends, mon fils, il faut faire doctorat. Les gens meurent en pandémie, en épidémie ici au pays. Tu vois, ta maman est en train toujours de se plaindre là, elle dit que je mange l'argent des morts. Est-ce que c'est moi qui tue les morts? Ce n'est pas moi. J'ai compris seulement le secret. Depuis là, l'équipe gagne. Avec Dieu, c'est l'équipe gagne. Depuis que je suis devenu chrétien là, c'est l'équipe gagne. C'est-à-dire que si tu perds ta vie pour Dieu, tu la gagnes en retour. Si tu perds ton argent pour Dieu, tu gagnes en retour. Depuis que j'ai ouvert mon usine de pompes à funestes. Oh, je t'assure. Je paie mon argent pour les œuvres de Dieu. Et je t'assure, nous sommes surchargés. C'est une entreprise qui marche. Et je vais même te dire que nous avons gagné le concours de meilleure entreprise. Hein? Je t'assure. Oui, il faut continuer de croire en Dieu. Il faut faire, n'est-ce pas, doctorat. Oui, je vais vous laisser, je vous accroche. Hein? Je vous accroche, ok. Oui. Oui, avec Dieu, seule l'équipe gagne. C'est pourquoi ça marche aujourd'hui. Si tu vois ton père aujourd'hui. Oui. Non, 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 ce n'est pas pour ça. Oh, ok. Comme je vous ai dit, vous faites doctorat. Hein? Et puis, un seul conseil, la prière. Il faut prier.
Il faut croire en Dieu, mon fils. Ça va aller. Vous faites doctorat, vous revenez ici au pays et je vous assure, les choses vont bien aller. Bon, je vais vous laisser. J'étais en train de lire les informations du pays là. Ok? Je vous accroche, hein? Vous me saluez tout le monde là-bas, hein? Vous me saluez, n'est-ce pas, monsieur de comment il s'appelle encore votre gouvernant là? Oui, oui, vous me le saluez. Ok? À très bientôt. Ok, bon, je vous accroche, hein? À bientôt. Bisous. Bisous. Que Dieu vous bénisse, hein, mon fils. Je continue toujours de prier pour vous, hein? Ok. À très bientôt. Oh, ça, c'est bien d'avoir les enfants en Europe, hein? Oh, comme ça, l'enfant revient et fait doctorat. Vraiment, et puis les choses marchent bien. Ah, bon, qu'est-ce que les journaux disent?